Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mystère. Aujourd'hui, à la demande de Sébastien, je vais m'intéresser à celui que l'on nomme le Comte de Saint-Germain. Sébastien m'écrit ceci. Pouvez-vous faire une voyance sur les histoires, vraies ou fausses, du Comte de Saint-Germain a-t-il trouvé le moyen de vivre éternellement Peut-être est-ce faux, mais si c'est vrai, est-il humain Et s'il meurt, pourrait-il être remplacé par un clone Et Sébastien conclut avec cette petite phrase, notamment la fin de cette phrase « Nous vivons dans un monde merveilleux de mystères ». Et c'est vrai que les mystères, c'est quelque part une chose merveilleuse, qui nous fait nous interroger, qui fait que notre esprit vagabonde en même temps qu'il tente de résoudre une énigme. Avouez que c'est tout de même mieux que ce que nous vivons dans cette réalité gouvernée par des querelles politiques. Mieux vaut rêver parfois, que d'être dans une réalité enfermée, parfois triste ou nette. Mais revenons à ce conte de Saint-Germain. Tout d'abord, avant de faire un quelconque tirage et de voir, euh, pour répondre aux questions de Sébastien, je vais vous livrer un petit article que j'ai trouvé. Bien sûr, je le lis tel quel. Je n'ai pas écrit. Il y a des opinions qui transpirent à travers ce texte. Mais il résume ce que certains voient dans le conte de Saint-Germain. Et il y a aussi quelques interrogations. Les archives des affaires étrangères recèlent bien des trésors. Ainsi cette curieuse missive adressée en avril 1758 au marquis de Marigny, alors ministre en charge des manufactures du roi. Son auteur se présente sous le titre de Comte de Saint-Germain. Il explique qu'il a fait de grandes découvertes dans l'amélioration des procédés de teinture chez lui en Allemagne et qu'il serait heureux d'en faire profiter le royaume de France. Cette lettre est, un est une véritable perle documentaire puisqu'elle émane de l'homme qui allait fasciner l'Europe entière pour ses prétendues qualités d'alchimiste. Considéré à juste titre comme le sphinx du XVIIIe siècle, le comte de Saint-Germain reste encore aujourd'hui une énigme. La plupart des encyclopédies s'accordent à le qualifier de simple aventurier, tant sa naissance et ses motivations à vouloir approcher des têtes couronnées demeurent obscures. Au même titre que Nicolas Flamel, son nom est associé à la fameuse pierre philosophale, mais les mythes ont toujours fait une part belle à l'imagination. Dans leur correspondance régulière, Voltaire et Frédéric II ironisaient déjà sur cet homme qui ne meurt jamais ou se compte pour rire. Revenons donc sur le parcours de ce personnage qui défraya la chronique. C'est l'écrivain britannique Horace Walpole qui en fait pour la première fois mention en 1745. Dans l'une de ses lettres, il rapporte en effet qu'un mystérieux étranger est à Londres depuis deux ans. Et ce mystérieux étranger connaît quelques démêlés avec la police. À l'époque où il écrit, il règne en Angleterre un véritable climat de suspicion. Les autorités redoutent des complots jacobites et le retour des Stuarts sur le trône. Dans ce contexte troublé, cet extravagant comte de Saint-Germain est soupçonné d'être un espion à cette cause, mais la police se contente de l'assigner un temps à résidence, faute de preuves suffisantes. Horace Walpole note que cet homme admet cependant porter un titre d'emprunt et qu'il se dit prêt à décliner sa véritable identité au roi en personne. Une telle présomption lui fait dire que ce drôle d'oiseau est tout, sauf un gentilhomme. Mais cet incident mis à part, ce comte de Saint-Germain fait parler de lui sur un tout autre registre. S'affichant auprès de la haute noblesse, il passe en effet pour un violoniste virtuose au sein du monde musical de la capitale britannique. Walpole parle de lui en ces termes, il chante et joue du violon à merveille, il compose, il est fou et déraisonne. Le célèbre éditeur Walsh publie d'ailleurs une dizaine de ses compositions entre 1745 et 1765. Il quitte l'Angleterre aux alentours de 1746 et ne fait pas parler de lui pendant dix ans. Où disparaît-il On le dit aux Indes ou à la cour du chat de Perse. Mais la véracité de ses séjours lointains est plus que douteuse. Si l'on s'en tient à la lettre qu'il écrit au marquis de Marigny en 1758, il faut croire qu'il se retire sur ses terres en Allemagne pour s'adonner à l'une de ses grandes passions, la chimie. Sa démarche auprès du ministre de Louis XV n'est sans doute pas anodine. Le marquis n'est autre que le frère de Madame de Pompadour. Une recommandation éventuelle pour obtenir audience à Versailles. D'abord sceptique, le ministre se laisse finalement convaincre et lui fait aménager plusieurs appartements au château de Chambord pour parachever ses expériences. Présentée ensuite à la favorite, celle-ci est rapidement séduite par la, la singularité de cet aristocrate savant et polyglotte. Elle décède en lui un moyen de distraire un peu le roi, véritable martyr de l'ennui d'après les dires de Casanova. La passion pour les sciences rapproche effectivement les deux hommes. Louis XV est impressionné par les connaissances de ce comte, qui aborde des diamants plus gros que les siens. Il lui accorde bientôt toute sa confiance, participant à l'occasion aux travaux sur les fameuses teintures qui doivent améliorer la qualité des tissus français. Ces expériences ne donneront jamais de résultats dignes d'être exploités, à grande échelle toutefois. En tant que femme de chambre de la Pompadour, Madame du Hausset est, est un témoin privilégié de ses allées et venues à Versailles, consignant fidèlement dans un journal certains de ses entretiens avec la pimpante marquise. Elle décrit le comte de Saint-Germain comme un homme d'une cinquantaine d'années, bien conservé de sa personne et d'une élégance recherchée. Toutefois, le bruit s'est répandu à la cour que des personnes l'ont rencontré sous cette apparence bien des années auparavant. La persistance de ces rumeurs pousse Madame de Pompadour à l'interroger sur sa naissance. Elle lui dit ainsi, mais enfin, vous ne dites pas votre âge, et vous vous donnez pour fort vieux. La comtesse de Sergi, qui était il y a cinquante ans, je crois, ambassadrice à Venise, « Dis-vous y avoir connu tel que vous êtes aujourd'hui. »« Il est vrai, madame, que j'ai bien connu, il y a longtemps, madame de Sergy. Mais suivant ce qu'elle dit, vous auriez plus de cent ans à présent. » Et le comte de Saint-Germain lui répondit ainsi, « Cela n'est pas impossible, mais je conviens qu'il est encore plus possible que cette dame que je respecte se trompe. Vous lui avez donné dit-elle un élixir surprenant par ses effets elle prétend qu'elle a longtemps paru n'avoir que vingt-cinq ans pourquoi donneriez vous pas au roi ah madame dit le comte avec une sorte d'effroi que je m'avise de donner au roi une drogue inconnue il faudrait que je fusse fou le grand monde parisien raffole de ces histoires à tel point qu'un comédien surnommé Milord Gauve se met à courir les salons en se faisant passer pour le comte de Saint-Germain, lui faisant dire qu'il vit depuis plusieurs siècles et qu'il a même rencontré le Christ. L'intéressé s'amuse de tout ce bavardage autour de lui et s'amuse à faire entretenir le doute. Ses vastes connaissances de l'histoire de France, alliées à ses talents de conteur, émerveillent la Pompadour. Lorsqu'il lui décrit la cour de François Ier, elle en vient presque à, se, à penser qu'il a vraiment connu cette époque, révolue depuis plus de, 50, depuis plus de 150 ans, pardon, j'en bafouille. Quelquefois, je m'amuse non pas à faire croire, mais à laisser croire que j'ai vécu dans les plus anciens temps. Le mode alchimiste finit par être murmuré à son encontre. Ces soupçons tiennent à son train de vie fastueux, sans qu'aucun envoi d'argent ne lui parvienne dans le royaume. Suivant les conclusions de l'enquête menée par un lieutenant de police de l'époque, mieux encore, le roi fait un jour appel à Saint-Germain pour effacer les tâches indélébiles sur l'un de ses diamants. Ce dernier apporte la pierre précieuse dans tout son éclat un mois après, faisant gagner près de 4000 livres à un Louis XV stupéfait. Une telle popularité ne manque jamais de susciter des jalousies. Casanova a consacré plusieurs pages de sa fumeuse histoire de, de vie à ses différentes rencontres avec le comte de Saint-Germain. Casanova ne l'aime pas. Il voit en lui un charlatan. Mais on sent une pointe d'admiration derrière ses attaques. Parlons du comte de Saint-Germain, Casanova écrit. Il est vrai qu'il était difficile de parler mieux que lui. Il avait un ton décisif mais d'une nature si étudiée qu'il ne déplaisait pas. Sur quelques sujets, sur quelques époques que l'on interrogea, on était surpris de le voir connaître ou de lui entendre inventer une foule de choses vraisemblables, intéressantes et propres à jeter un nouveau jour sur les faits les plus mystérieux. À bien des égards, nos deux personnages se ressemblent, sauf que l'un semble plus briller que l'autre, dans les conversations mondaines. À la tête des affaires étrangères, le duc de Choiseul est en revanche décidé à montrer de quelle carrière Saint-Germain extrait sa pierre philosophale. Choiseul déteste le comte pour sa familiarité suspecte avec Louis XV. S'il ne parvient pas à découvrir l'origine de ses ressources financières, il entre dans une colère noire lorsqu'il apprend que le roi en a fait son diplomate officieux. Voulant en finir avec la ruineuse guerre de Sept Ans, Louis XV a en effet chargé le comte de Saint-Germain de tester les intentions anglaises dans ce sens. En février 1760, il est missionné secrètement en Hollande afin d'entamer des pourparlers de paix. Cette diplomatie parallèle n'est vraiment pas du goût de Choiseul. Décidé à poursuivre les hostilités, il s'attelle à faire capoter les négociations entamé par celui qu'il considère comme un espion au service de la Prusse. Les archives de cette période nous révèlent son ardeur à discréditer le comte de Saint-Germain auprès de ses interlocuteurs. Versailles, le 19 mars 1760. Je vous envoie une lettre de monsieur de Saint-Germain à madame la marquise de Pompadour qui suffit seul pour faire connaître l'absurdité de ce personnage c'est un aventurier de premier ordre qui de plus parce que j'en ai vu est fort bête je veux pris aussitôt ma lettre reçue de le faire venir chez vous et de lui faire dire de ma part que j'ignore de quel œil les ministres du roi chargés du département des finances envisageront sa conduite ridicule en hollande relativement à cet objet. Mais que quant à moi, vous avez ordre de le prévenir que si j'apprends que de près ou ni de loin, en petit ou en grand, il s'avise de se mêler de politique, je l'assure que je le tiendrai de l'ordre du roi pour qu'à sa rentrée en France, il soit mis le reste de ses jours dans un cul de basse fosse. Vous lui ajouterez qu'il peut être certain que ces dispositions de ma part à son égard sont aussi sincères qu'elles seront exécutées, s'il me met dans le cas de tenir ma parole. Après cette déclaration, vous le prierez de ne plus remettre les pieds chez vous, et il ne sera pas mal que vous fassiez publier et connaître à tous les ministres étrangers ainsi qu'aux banquiers d'Amsterdam le compliment que vous avez été chargé de faire de cet aventurier. À la suite, lâché par Louis XV qui ne le soutient pas officiellement, le comte de Saint-Germain se voit contraint de fuir en Angleterre. Après quinze années d'absence, ce retour ne passe pas inaperçu dans la presse anglaise, qui lui consacre plusieurs articles. On peut lire dans le London Chronicle du 31 mai 1760. En toute justice, nous pouvons dire que cet homme doit être considéré comme un étranger inconnu, mais inoffensif. Il a des ressources dont la provenance est inexplicable, mais qui lui permettent de mener grand train. Venant d'Allemagne, il parvint en France avec la réputation éclatante d'un alchimiste qui possède la poudre secrète et, de ce fait, la médecine universelle. On murmura que l'étranger pouvait faire de l'or, le pied sur lequel il paraît confirmer cette rumeur. Néanmoins, il ne connaît pas le même succès qu'à Versailles et regagne le continent en tâchant de se faire un peu oublier. En 1762, il se rend à Saint-Pétersbourg, éloge chez son ami le peintre italien Pietro Rotari, celui-là même à qui nous devons le seul portrait conservé du comte de Saint-Germain. Un bon nombre d'auteurs Emballé par sa personnalité hautement romanesque, le font participer au complot qui porta la grande Catherine sur le trône de Russie. Il n'existe pourtant aucune preuve venant confirmer ces allégations. Ces soupçons tenaient à la déclaration faite un jour par le comte Orloff, qui avait affirmé que le comte de Saint-Germain joua un grand rôle dans la réussite de cette révolution de palais. Sauf que le personnage en question est un homonyme du nom de claude louis de saint-germain ce général français mobilisa en effet toute l'attention de pierre iii lors d'une offensive au danemark l'empêchant ainsi de, se, de sentir ou deviner le complot tramé dans son dos si l'on se remémore les propos de walpole le comte de saint-germain ne porte pas ce titre par droit de lignée ou faveur royale. D'après Madame du Hausset, Louis XV semblait être dans la confidence de ses origines familiales, car il ne souffrait pas qu'on parle du comte avec mépris et raillerie. Dans un autre passage, elle écrit que le roi en parle quelquefois comme étant d'une illustre naissance. Madame de Genlis, à qui Saint-Germain rendit de fréquentes visites, laissait entendre, quant à elle, qu'il était sans doute le fils d'un souverain détrôné. Par le recoupement d'autres témoignages, certains historiens sont tentés de voir en lui le fils bâtard de la reine Marie-Anne de Neubourg et de son amant, l'amirante de Castille. Cette liaison adultère était un secret de polichinelle à la cour de Madrid. Dans le tumulte entourant la succession au trône d'Espagne à la fin du XVIIe siècle, cet enfant illégitime aurait été caché, puis séparé de sa mère pour vivre sous plusieurs identités. Le comte de Saint-Germain raconta au détour d'une conversation avec Madame de Genlis que tout ce qu'il pouvait dire sur sa naissance, c'est qu'à sept ans, il errait au fond des forêts avec son gouverneur et que sa tête était mise à prix. Confié à un puissant parent de la reine, le duc de Toscane peut-être, l'enfant aurait reçu sa haute éducation, auprès du dernier des Médicis, et hériter ensuite des domaines de sa mère dans le Palatinat allemand. Cette hypothèse est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais elle a au moins le mérite d'expliquer de façon plus rationnelle l'origine de sa fortune, et de mieux comprendre son besoin viscéral d'être admis parmi ses pères ou des monarques. Faut-il donc voir une connotation symbolique dans le titre qu'il s'octroya Plusieurs indices poussent à le croire. Lorsqu'il se fixe en Allemagne à partir de 1777, le comte prend le nom de Weldon. À un ambassadeur de Frédéric II, il confie avoir pris auparavant le nom de Saint-Germain qui ne voulait rien dire d'autre que Saint-Frère. En latin, Sanctus Germanus. Pris dans son ensemble, le vocable sous lequel il se fit connaître peut même se traduire par compagnon de la sainte fraternité. Dans un siècle qui voit éclore la franc-maçonnerie, ses liens avec les obédiences mystiques sont plus ou moins perceptibles. Au prince de Hesse, chez qui il termine ses jours officiellement, il déclare peu de temps avant de mourir être le plus ancien des francs-maçons. Le fantasque Cagliostro affirmait de son côté avoir été l'apprenti de saint Germain. C'est dans la cellule romaine de ce même Cagliostro que fut découvert l'ouvrage hermétique intitulé « Très sainte trinosophie ». Aujourd'hui, cet ouvrage est conservé à la bibliothèque de Troyes et attribué au comte de saint Germain. Le comte de saint Germain a-t-il pour autant été alchimiste les témoignages en ce sens prêtent à sourire. Lorsqu'il lui rend visite à Tournée en 1763, Casanova prétend avoir assisté à la transmutation d'une pièce d'argent en or. L'aventurier italien resta toutefois perplexe sur cette opération, croyant sans doute à un habile tour de passe-passe. À la fin du XVIIIe siècle, la plupart des loges maçonnes s'intéresse à l'alchimie sur un plan strictement spéculatif et symbolique. Certains textes, portés au crédit du comte de Saint-Germain, comme ce curieux sonnet sur la création, montrent que sa recherche de la pierre philosophale vise au perfectionnement de l'âme et accessoirement à la, conversation op à la conservation pardon, optimale de l'aspect physique. Bon nombre de ses contemporains se sont ainsi étonnés de son régime alimentaire frugal et non carné. Le comte prodiguait maints conseils expliquant son apparente longévité, notamment par exemple de ne pas boire en mangeant. À défaut de grands ou de hors-d'œuvre, il laissera au moins à la postérité le souvenir d'un bon diététicien. Les registres de l'Église d'Enkeford en Allemagne. Enferme le procès verbal suivant. Le comte de Saint-Germain est décédé le 27 février, enterré le 2 mars 1784. Celui qui se donnait le comte de Saint-Germain et Weldon, sur lequel on n'a pas d'autres renseignements, a été inhumé dans l'église de notre ville. Un tel homme pouvait-il donc mourir Ses adeptes et détracteurs allaient se charger de le ressusciter en enrichissant sa légende. On lit dans un journal parisien daté du 6 juin 1784, une érudition et une mémoire prodigieuse le secondaient parfaitement, dans l'intention qu'il ne perdait jamais de vue de laisser tout le monde dans l'ignorance absolue sur son origine, son âge et le lieu de sa naissance. Il prétendait avoir connu Jésus-Christ et s'être trouvé à côté de lui aux noces de Cana, lorsqu'il changea l'eau en vin. À ce compte, il aurait vécu plus de 2000 années, et on s'étonne qu'il n'ait pas jugé, à propos de vivre, encore quelques milliers, car en cela, il n'y a que le premier mille qui coûte. L'amalgame fait ici, avec les facéties du comédien Gauve, est révélateur, puisqu'il sera régulièrement commis dans les ouvrages ou articles accréditant l'idée d'un Saint-Germain traversant les siècles. Le conte apparaît plus tard dans une biographie, romancée de Marie-Antoinette écrite par un dénommé Lamotte Langon. Dans la trame de cette œuvre grotesque, il est censé prédire à la reine des funestes événements à venir pour la monarchie. La liste de ses apparitions post-mortem tout au long du XIXe siècle est exhaustive. On le voit d'abord participer à une réunion maçonnique en 1785, converser avec un ambassadeur de Venise en 1821, travailler secrètement aux grandes inventions de la révolution industrielle. Dans certains cas, il s'agit encore de confusion avec des homonymes, dans d'autres, de l'imagination débordante d'un fabulateur notoire. Le dernier en date fut l'un des compagnons de la chanteuse Dalida, un certain Richard Chanfray, qui au cours d'une émission télévisée en 1972 déclara être le célèbre comte alchimiste. Christophe Langerbert a récemment campé ce personnage dans un film qui retrace cette longue idylle. Le comte de Saint-Germain ne cesse de fasciner même Napoléon III s'intéressa à lui, au point de demander à l'un de ses fonctionnaires de réunir des documents le concernant. Les résultats de cette enquête furent malheureusement perdus au cours de la commune de Paris. Ces dernières années, la romancière Chelsea Quinn Yabro s'est inspirée du comte en le transformant en vampire, traversant les siècles. Alchimiste, diplomate, musicien espion, jamais un homme n'a donné cette impression d'être aussi caméléon. Mis à part Christophe Re Requin court, peut-être, tel une icône. Le comte trône désormais au panthéon de l'occultisme. Dans un sens, il est devenu immortel en inscrivant son nom dans l'histoire. Alors regardons. Regardons, essayons, essayons avec un simple tirage de voir comment a vécu cet homme, ce qui a pu lui arriver. Et puis, immortel ou pas est-ce que Richard Chanfray était le comte de Saint-Germain ou un affabulateur À présent, il est temps d'essayer de répondre à ces questions. Pour ce fameux comte de Saint-Germain, nous allons poser donc trois questions l'évolution de sa vie, pour voir ce qui est marquant, voir si les mensonges sont là, si la tromperie est là. Nous allons aussi regarder ses liens avec Jésus, puisqu'il disait l'avoir connu, nous devrions avoir du mercurien. Et puis, on regardera aussi ce Richard Canfray, qui en 1972 déclara être le comte de Saint-Germain. Usurpateur, plaisantin. S'il est vraiment le comte de Saint-Germain, s'il était vraiment le comte de Saint-Germain. On devrait retrouver quelque part du jupitérien ou, ou du mercurien. Voilà un petit peu les, les codifications. Bien sûr, tout ça va être modulé vis-à-vis -vis de la formulation de la question. Et puis, bien sûr, vis-à-vis -vis de la teneur de la carte elle-même. Les septénaires sont une aide. Les septénaires sont extrêmement importants dans l'oracle de Béline. Mais la teneur de la carte peut aider à affiner le résultat. Et la compréhension de la question et surtout de la réponse. Première chose, comment a évolué la vie du comte de Saint-Germain au fil du temps Et vous voyez que là je ne mets pas... Il y avait deux cartes qui venaient, je vais prendre les deux. Je ne mets pas de laps de temps puisqu'en fait on se pose la question. Et c'est un usurpateur, un plaisantin, un aventurier. Euh, ou réellement un être immortel. Nous avons deux cartes, vous voyez, qui sont venues dès le départ. J'ai pris les deux. Alors curieusement, nous avons l'étoile de la femme et une carte mercurienne. Alors ce qui est curieux, ce n'est pas la carte mercurienne, mais c'est l'idée de l'étoile de la femme. Parce que la carte mercurienne est très simple à interpréter. C'est un personnage qu'il dès le début de sa vie, sans préciser quand et où et comment, nous avons l'idée de quelqu'un qui se construit. Alors c'est vrai pour toutes les personnes, chacun de nous, à sa naissance, se construit. Mais la connotation est un petit peu plus précise. On a l'impression qu'il se fabrique un personnage. Mais l'étoile de la femme nous renvoie forcément à ses origines à sa mère. Il semble que quelque part, sa mère elle-même ait participé à la création du personnage du comte de Saint-Germain. Ce qui va aller contre sa vie. Nous avons l'étoile de l'homme. Ça veut dire que lui-même est contre sa vie. Que sa façon d'être ne lui a peut-être pas permis d'aboutir ou d'être celui qu'il aurait pu être. Là les réponses, je vous l'avoue, sont obscures, peu précises. En tout cas, pour l'instant, on va voir la suite du tirage parce que là nous avons deux cartes qui ne répondent pas vraiment. Effectivement, il descend de sa mère, bien sûr, une la après que lui-même soit en opposition avec lui-même, donc qu'il soit son propre ennemi en fait. Rien d'étonnant. Ça arrive dans beaucoup de cas de figure. Le conseil sur la vie du comte de Saint-Germain, ce qu'il aurait dû faire, se taire, avancer peut-être plus discrètement. Et effectivement, on pourrait se dire, c'est parce qu'il a trop parlé d'alchimie, c'est peut-être parce qu'il a été un peu fanfaron, ou peut-être qu'il a révélé son secret. L'oracle ne le dit pas, ne le confirme pas. Mais ce que je remarque, c'est que nous avons deux cartes étoiles sont sur des personnages et pour l'instant du mercurien. La carte centrale est une carte lunaire. La carte centrale du départ montre des oiseaux qui ont qui était sur une île, pour le dire familièrement, ils ont tout bouffé et ils se sauvent parce qu'ils ont peur. Quelque chose les gêne. Là encore, ça ne dit pas, ça ne parle pas d'immortalité, mais ça montre quand même, quelque part, un personnage omnubilé par sa faim. On a l'impression que quelque part, sa mort lui fait peur et que tout son personnage est construit sur la mort, sur, son, sur sa mort à lui. Et pourtant, le résultat, paradoxalement, est une carte d'union. C'est une carte vénusienne qui nous montre l'amour. Donc sur sa vie, ce qui semble important, c'est l'amour de la vie en réalité. Un personnage... Avide de l'amour. Un personnage qui souhaite vivre. C'est donc quelque part un personnage romanesque, on pourrait le décrire ainsi, qui a un amour considérable pour la vie, qui craint la mort. Ce qui semble dire que quelque part, il peut mourir. Alors ça ne dit pas qu'il a vécu 50 ans, 60 ans, ou 110 ans, ou 150 ans, ou même 1000 ans. Ça non. Il est, par ses prises de position, on va le dire, en opposition par rapport à sa propre vie. Il est son propre ennemi. Surtout par rapport à ses déclarations. Or, vous l'avez vu, il s'est fait un petit peu chasser du royaume de France. Il a eu quelques problèmes ici et là. On le sent un peu... Un peu vantard. Pourtant, si on regarde bien toute cette teneur, l'oracle aurait tendance à lui dire de rester discret. De rester discret, de rester quelqu'un dans l'ombre. Et pas celui qu'il a voulu construire ou se construire. Ce qui est paradoxal, c'est que ça pourrait tout à fait correspondre à ce Richard Chanfray. Qui affirme être le comte de Saint-Germain et qui correspondrait en tout cas sur le fait d'être son propre ennemi en le révélant à la télévision et qu'il ferait mieux de se taire. On retrouve des caractéristiques similaires, mais des caractéristiques similaires dans le caractère justement d'un être humain n'en font pas pour autant un être humain. Alors, pour voir si finalement ce personnage a vraiment connu Jésus, eh bien nous allons le demander à l'oracle. Et puis nous allons voir si ce Richard Chanfray a un lien vraiment avec le comte de Saint-Germain. Là, l'oracle, la réponse, comment était sa vie Eh bien oui, c'est quelqu'un qui s'est fabriqué, omnubilé par sa mort, par la crâne de sa mort, et qui était un jouisseur de la vie. Qui était ou qui est, parce qu'on ne sait toujours pas. Et la seule chose que je retiens aussi, c'est qu'il aurait mieux fait de se taire et de rester plus dans l'ombre. Mais ça, on peut le retrouver sur des personnages, et il n'y a pas besoin d'être immortel pour avoir ce genre de conseil. Je vous le rappelle, s'il y a du mercurien qui sort, quand je vais poser la question vis-à-vis -vis de Jésus, on sait qu'il l'aura connu. Pour les autres cartes, on va voir. Quel lien a le comte de Saint-Germain avec Jésus, quel lien a-t-il eu avec Jésus Vous voyez que là, c'est très clair. Nous avons une carte martienne, la carte du procès, qui montre une complète coupure. Il ne faut pas voir que il a assisté à son procès. Hein. Il a bien dit l'avoir connu. Nous aurions dû avoir du mercurien. Il y a quelque chose d'autre. Pour moi, il ne l'a jamais connu. C'est une vantardise. De la même façon, demandons, quel lien Richard Chanfray a avec le comte de Saint-Germain Il n'y a pas de lien direct. Mais toutefois, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble y avoir un lien indirect. Une forme de parenté. Je dirais que c'est un descendant. Un descendant, mais pas quelqu'un... Euh, pas le comte de Saint-Germain. Pas le vrai, celui dont on parle. Je vais terminer par une dernière question que je n'avais pas prévu de poser. Quel lien y a-t-il entre le Comte de Saint-Germain et l'alchimie Et vous voyez que là, par contre, nous avons une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication, c'est le lien. Et puis nous avons l'argent. Or, vous savez que... Euh, une des grandes... Recherche de l'alchimie, c'était de transformer le plomb en or. On le schématise souvent comme ça. Il y avait cette recherche de l'argent, de l'or, de, hein, de, de ce qui permettait de, de, de subvenir à, à ses besoins. Or, je peux vous dire que le comte de Saint-Germain était un alchimiste. Des teintures, oui, mais ça, c'est de la chimie. L'alchimiste était bien plus. Précis, et que quelque part ce comte de Saint-Germain a fait des recherches dans ce sens, et qu'il a quand même connu quelques succès. A-t-il vraiment transmuté un métal, un métal vil, en or Il semblerait que oui. Oui, même si ça semble complètement fou, puisque nous ne savons pas le faire à notre époque. Avait-il découvert réellement le secret de la pierre philosophale Avait-il réellement conçu quelque chose Ou est-ce que l'idée d'or correspond à un niveau de, de pensée différent Il semble en tout cas que ce comte de Saint-Germain soit bien quelqu'un qui ait eu de grandes connaissances. mais il n'était pas immortel. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Sachez que les vidéos, vous pouvez les télécharger hein, en cliquant sur Download. Vous pouvez télécharger les vidéos et en passer des extraits si ça vous fait plaisir sur, sur les réseaux sociaux, peu importe. Hein. Euh, je ne vous attaquerai jamais pour ça. Les vidéos, je les laisse libres de droit. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce et puis pensez, si vous le souhaitez, à soutenir la chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.